Comment éprouver ces esprits-là? Alors je te répondrai par les Écritures. Les Écritures. Il te l'a dit. Ma sœur, lis-nous. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13. Écoutez la parole. Du verset 13 jusqu'au verset 26. L'entrée dans le royaume. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre, pardon, porté de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Quand Jésus... Amen. Vous avez entendu? Alors, je vous appelle à la lecture et à la fidélité de la parole du Maître. Ma sœur, lis Jean chapitre 17. Concilie cela avec Jean chapitre 17, verset 19 au verset 20. Comme ça, ils vont comprendre le schéma authentique. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles. Amen. Donc, le Dieu Tout-Puissant, le vrai Jésus-Christ, vous recommande dans sa prière sacerdotale, la prière du souverain sacrificateur, les 12, les apôtres, pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Il n'y a que les paroles des apôtres qui te font croire au vrai Jésus-Christ, pas au faux Jésus. Maintenant,
Il dit dans le chapitre 7 que la sœur a lu, que ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Catholique, romain, dit « Seigneur, Seigneur ». Adventiste, dit « Seigneur, Seigneur ». Orthodoxe, dit « Seigneur, Seigneur ». Témoin de Jéhovah, dit « Seigneur, Seigneur ». Mormon, dit « Seigneur, Seigneur ». ICC, dit « Seigneur, Seigneur ». Bethel, charisme, ils disent « Seigneur, Seigneur ». Maintenant, le Père te dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent « Seigneur, Seigneur ». Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, la question que tu devrais te poser, quelle est la volonté du Père qui est dans les cieux? Apparemment, c'est cette volonté-là qui nous permet d'entrer dans son royaume. Ma sœur, comme tu es dans Jean 17, lis le verset 5 et 6. Comme ça, ils vont entendre la volonté du Père. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Ils ont gardé ta parole. C'est ça la volonté du Père. Garder sa parole. Garder sa parole. Tu as compris? Alors, je te pose la question. As-tu gardé la parole du Père? Alors, vu que dans ce chapitre, je vais laisser que la sœur te relise le verset 19 et le verset 20 pour que tu écoutes très bien. Vas-y, ma sœur. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles. Alléluia. Pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. La parole, le leur là, c'est qui? Leur là, ce sont les 12. Maintenant, qu'est-ce que les 12 nous disent? Ma sœur, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 13 au verset 15. On va donc écouter ce que les 12 que Jésus a recommandé là. Ce qu'ils nous disent, ils nous disent quoi? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15, verset 13 à 15. Comme ça, vous allez comprendre que vos faux méga-churches, vos faux hommes de Dieu que vous avez considérés jusqu'à aujourd'hui-là, vous amènent à la perdition. Et j'ai le cœur qui saigne parce que je vois comment vous êtes égarés. Mais ce n'est pas l'homme qui convertit les âmes, c'est le Christ qui connaît ses enfants. À l'image de Lydie, le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et elle a été baptisée, conformément à la Sainte Doctrine. Vas-y, ma sœur. Appel à la fermeté, à la prière et au travail. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé, par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Amen. Amen. Maintenant, les apôtres que Jésus t'a recommandé, ils te disent que de tenir ferme sur les enseignements qu'ils vous ont donnés oralement, ou alors par les lettres. Le reste qui vient, c'est le diable. Théologie,
Concile des hommes, concile de Nicée, concile de 1900, je ne sais pas combien là, non, les avis personnels, non, formation théologique, master 1, master 2, master 3, tout ça, fable habilement conçue. C'est le diable. Voilà pourquoi ces faux hommes de Dieu vont faire des formations pour devenir homme de Dieu. Formation. Il passe un examen, après on lui remet un diplôme. Et là, il dit que non, j'ai mon diplôme théologique, je peux devenir homme de Dieu. Franchement. Alors, les apôtres vous disent de retenir uniquement ce qu'ils vous ont enseigné, soit oralement. Alors, oralement, toi et moi, nous n'étions pas autant des apôtres. Nous n'avons pas eu le privilège de les écouter face to face, comme toi tu es en train de m'écouter aujourd'hui. Maintenant, il continue en disant, soit par les lettres. Maintenant, les lettres, elles sont parvenues jusqu'à toi. Les lettres ont traversé les âges jusqu'à toi. La Bible que tu as chez toi, là, que tu as mis au fond de ton tiroir, que tu n'ouvres jamais là, contiennent les lettres qui t'amènent à salut au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu ne dois, les apôtres te disent d'écouter seulement ces lettres-là. N'écoute rien d'autre. Ce que les lettres disent, ne discute pas avec les lettres. Ne tergiverse pas avec les lettres. Ne dis pas non, moi je pense que, moi je crois que, moi, vraiment, moi, en toute manière, j'ai ma relation personnelle avec Jésus-Christ dans ma chambre. Jésus n'a pas de relation personnelle avec qui que ce soit dans sa chambre. Jésus marche au milieu de l'assemblée des justes. L'église des saints. Et l'église des saints, ce sont les lettres. Ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. Voilà le mensonge qu'on t'a fait croire de génération en génération. Cette phrase, je vais à l'église, c'est le catholicisme romain. C'est venu de là-bas. Je vais à l'église. L'église, ce sont les lettres. Quiconque est fidèle à toutes ces lettres et reçoit le baptême conformément à la sainte doctrine est avec Christ. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Vraiment que vous, il faut vraiment que vous le pigiez. Restez fidèle à ce qui est écrit dans les lettres. Qu'aucun homme ne vienne vous dire non. En fait, si Paul a dit ça, c'est parce que à Corinthe, il y avait des femmes qui parlaient beaucoup. Refuse ça au nom de Jésus-Christ. Dis à cette personne, l'argument que tu viens de sortir de ta bouche là, montre-moi là où c'est écrit dans l'une des lettres. S'il commence à tituber, dis-lui, éloigne de moi, éloigne-toi de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus l'a dit à Pierre, il n'a pas traité Pierre de Satan, il a dit, éloigne-toi, Satan. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La pensée de Dieu, ce sont les lettres. La pensée de Satan, ce sont les arguments. Entends-le aujourd'hui. Je ne sais pas avec qui Christ a rendez-vous sur ce live. Mais si c'est toi qui m'écoutes, entends-le. Les temps sont accomplis. Les frères et les sœurs ont des songes et des visions, conformément à Joël, de ces jours qui approchent, où le Seigneur va ravir son Église. Il t'a donné la patience de te réveiller. Mais si tu ne te réveilles pas, tu ne seras pas des nôtres. L'heure n'est plus à dormir. Réveille-toi de ton sommeil. Lève-toi et bâtis ta maison sur le roc. Il te l'a dit. Les vents ont soufflé. Quand il parle des vents, il ne parle pas du vent qui souffle quand il pleut là. Non. Le vent, c'est Satan. Les vents ont soufflé. Les pluies sont tombées. Les torrents sont venus. Donc, on parle de Satan et de ses démons qui possèdent des êtres humains qui se cachent là et qui vous distillent le poison, le levain. Tac. Le levain. Est-ce que quand tu regardes la farine, quand ta femme t'aide au gâteau à la maison là, est-ce que tu vois le levain? Non.
Dès qu'elle met juste un peu là, on dit, ah, ça lève toute ta pâte. Le pain va gonfler. Donc, il distille du poison les faux enseignements, les faux des enseignements. Voilà pourquoi vous allez voir que leur discours, leur allocution ne tourne qu'autour de prospérité, mariage, argent, miracle. Mariage, argent, miracle. Mariage, leadership, mariage, argent. Les sept techniques de sortie de son corps, les sept techniques pour se rapprocher de Dieu. C'est un mouvement qui est né aux États-Unis, dans le pays de l'oncle Sam. C'est un mouvement qui est né là-bas. Là-bas, quand vous voyez souvent sur YouTube ici en France, pour ceux qui ne savent pas, l'explosion des coachs, le coaching. Oh, coach en séduction, coach en marketing digital, coach en développement personnel, coach en habillement, coach en drague. Il y a donc un mouvement qui est né aux États-Unis. Maintenant, si vous êtes un peu concentré, même juste une seconde de votre vie, lorsque vous écoutez ces faux hommes de Dieu-là, si vous êtes concentré, vous allez voir que ce n'est que du coaching. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va te donner deux ou trois versets que tu vas penser. Non, c'est la technique. On prend un verset et on mélange ça avec le coaching. Et toi, tu dis, c'est la parole de Dieu. Non, c'est du coaching. Voilà pourquoi ils n'ont rien à prêcher. Vous allez être là. Ça fonctionne comment dans ces méga-churches? S'il y a 3 heures de culte, 2 heures, vous allez chanter et danser. Jésus m'a sauvé, oh, alléluia, amen, amen. Oh, vraiment, si le Dieu d'esprit, oh, dis que Jésus t'aime, alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Oh, donc, ce sont des techniques qu'ils apprennent dans leur formation. Là. Il faut savoir chauffer la salle. Il faut préparer. Donc, ils chantent beaucoup. Après, les chansons, ça va être quoi? Ça va être, oh, Dieu me dit qu'il y a une personne ici. Oh, qui, j'entends Véronique Khadija. C'est moi. Oh, prophétie. Oh, avance, papa. Oh, est-ce que je peux prophétiser? Can you prophesy? Can you prophesy? Est-ce que je peux prophesy? Donc, le Saint-Esprit de Dieu va vous poser la question à vous. Qui est-ce qui peut prophétiser? Donc, il attend votre autorisation. Est-ce que je peux prophétiser? Franchement, vous n'avez même pas pitié de vous-même. Et c'est comme ça que les femmes sont dans ces choses-là comme ça. Surtout les femmes. Donc, vous allez remarquer que dans ces méga-jobs, s'il y a 1000 personnes, 900 femmes et 100 hommes. Et en général, ces hommes-là, ce sont, ils voulaient épouser une fille de cette congrégation-là. Et la fille a dit, non, mon pasteur a dit que si tu ne viens pas dans notre église, on ne se marie pas. Alors, le mouton, il vient aussi. Voilà comment les 100 hommes qui sont dedans, voilà, c'est à cause des femmes qui sont là-bas. Parce que la femme est un être que Dieu a créé émotionnel. Elle est qu'émotion. Tout ce qu'elle fait met les émotions dedans. Même quand elle boit de l'eau, elle boit avec émotion. Elle regarde le film, elle pleure. Parce que pour elle, le film, c'est la réalité. Elle te réveille à 3h du matin, dis-moi que tu m'aimes. Ce sont des êtres émotionnels. Et Satan connaît que l'émotion, lui, il attend ça pour marcher dedans. C'est une porte ouverte. Voilà pourquoi elles ne sont pas trop lucides. Elles ne font pas exprès. Elles sont comme ça, c'est leur nature. Je vous ai toujours dit, la partie la plus intime d'une femme, ce n'est pas ce que vous pensez. Non. La partie la plus intime d'une femme, vous savez c'est quoi? C'est son oreille. Si vous avez l'oreille de la femme, vous avez tout son corps. Si tu as l'oreille de la femme, tu as tout son corps. Voilà pourquoi les femmes n'aiment pas les beaux parleurs. Ils disent non, tu es un beau parleur, ça embarrasse. Parce qu'elle sait que ce que tu dis, c'est le mensonge. Mais elle est séduite, tu le dis tellement bien. Tu maîtrises la langue de Molière, tu sais mettre les mots là où il faut. Tu sais mettre les mots là où il faut. Donc non, elle ne veut pas t'écouter parce que c'est que non, si elle te donne l'oreille pendant 2 minutes, tu vas la ravir. Parce qu'elle n'oublie pas, elle reste là. Vous allez avoir vu les femmes, vous parlez beaucoup de monde, après elle te ressort ça 5 ans après, tu avais dit ceci.
Mais toi, tu te dis, mais attends, comment tu as fait pour retenir tout ça? Parce qu'elle n'oublie rien. Donc, si une femme lui, un homme lui dit d'ailleurs, madame, vous avez des yeux magnifiques. Quand je vous vois vraiment, oh, votre mari, il a beaucoup de chance. Ah, cette phrase va rester dans son cerveau pendant des années, mon frère. Dès qu'il y a un bruit à la maison, elle va penser à cette phrase. Madame, vous avez les yeux magnifiques. Quand je vous vois vraiment, votre mari a beaucoup de chance. Même quand elle se lave, elle va se remémorer cette phrase. Elle se remémore. Dès qu'elle est un peu pensive, là, elle pense à cette phrase. Que celui-ci, il me manque de respect dans cette maison. Est-ce qu'il sait le nombre d'hommes qui me cherchent dehors? Si je me décide de là. C'est ça. Alors, comme ces hommes-là, je vous dis, ce sont des techniques. Vous savez, ceux qui font le commerce, les techniques commerciales. C'est tout un art. Alors, ces hommes-là, leur cible, ce sont les mères célibataires et les femmes qui sont un peu. Voilà. Parce que l'écriture, je vais vous lire l'écriture. Ma soeur, tu peux lire l'écriture là. Dans. Il captive des femmes d'un esprit faible et borné. Alors. Prenons d'abord. 1 Timothée chapitre 5. Prends d'abord ça, s'il te plaît. Nous allons prendre à partir du verset 1 Timothée 5 à partir du verset 8 en descendant jusqu'au verset 14. Voilà, du verset 8 jusqu'au verset 14. Écoutez bien. D'accord. Conseil à propos des membres de l'Église. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, et il est pire qu'un non-croyant. Pour être inscrite sur la liste, une veuve ne doit pas avoir moins de 60 ans. Il faut qu'elle ait été fidèle à son mari, et qu'elle soit connue pour de belles œuvres. Qu'elle ait élevé ses enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, porté secours aux opprimés, cherché à faire le bien en toute occasion. Par contre, écarte de la liste les jeunes veuves, car lorsque leur désir les dresse contre Christ, elles veulent se remarier et se rendent ainsi coupables d'avoir rompu leur engagement initial. De plus, étant désœuvrées, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison. Et non contentes d'être désœuvrées, elles se montrent encore bavardes et indiscrètes. En parlant de ce qu'il ne faut pas. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de dire tu as mal de amen. Nous. Amen. En effet. Amen. Vas-y, continue. En effet. Certaines se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si un croyant, homme ou femme, a des veuves dans sa famille, qui les assistent et que l'Église n'en ait pas la charge,